Pascalou, là, on va travailler un petit dialecte que les gens connaissent en général quand on démarre le didgeridoo, c'est le wakatu. Voilà, wakatu, 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 wakatu. Et ça paraît assez simple comme ça, mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des rythmiques déjà qui vont être beaucoup plus rebondissantes, qui vont être plus dansantes, parce ouais. qu'on va travailler sur un système de tempo avec entre 2-3 sons à chaque fois. Tac, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois le côté un peu ternaire. Mmh. Okay. Et ça, du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir mettre en place toute une mécanique physique et comprendre que ben, si on la maîtrise, c'est ce qui va amener, si on garde cette dynamique tout le long de cette rythmique, la dynamique, ben, ça va amener ce côté dansant. Okay. Et ça, c'est un point important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas lâcher cette dynamique. Parce que si on fait le wakatu, 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 si on commence à mourir un peu comme ça, bien le jeu devient bah, tout flop. Okay. Et le but, c'est de tenir le truc. D'accord, de tenir les gens, la rythmique élevée, quoi, élevé. Avec de l'énergie, mmh. avec de la dynamique. Okay. Donc mon wap, ben, le wap normal, là, je vais pousser mon air avec mes joues et ma langue, tu vois, mmh. sur lequel je vais pouvoir inspirer. Inspirer. Donc, wap. Wa, ka, tu, ka, ka, ka. Le ka, on va le déclencher au fond de la gorge. Ka, 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 avec ma langue. Ka, ka, ka. Et tout, je vais regonfler mes joues. Pour ramener une résonance. Et retrouver mon point de départ avec le wap que j'ai en commun, qui est les joues gonflées. Donc le tout et le wap, ou dans le sens contraire, le wap et le tout sont pareils. On va avoir le même point de départ, c'est-à-dire les joues gonflées. Ok ? Donc ça va faire. Ok. Yes. Toi, on peut respirer sur le wa ou le tout comme ouais. on veut. On a le choix. D'accord. Ok. Alors, métronome. Allez, on va se le mettre à 100 pour pas être trop dur dès le départ. Copain ou ennemi ah. du musicien. Hein. Non, non, c'est copain. Mais vaut mieux en faire sans copain. C'est copain. Donc pour en faire sans copain, il n'y a pas de secret, il faut faire on. et jouer avec. Voilà. Bokatu, 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 bokatu. Tu vois, n'est pas hésité aussi à le faire en dehors, à le réciter, quoi. Bokatu, 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 tu vois. Ok. Après, on va monter. Le but, c'est toujours de décoincer la mécanique. 110. Petite plantade, cadeau. Ok. Après, pareil. On monte à 120. Et puis on va comme ça, on évolue. Hein. Bokatu, bokatu, bokatu. Ok. Et on monte. On monte comme ça. Et si on va trop haut, on redescend un peu. On remonte après un peu plus haut exprès. Et on redescend. Ouais. Voilà. On va se faire péter les plombs. Mais au moins, le tout, c'est d'intégrer cette mécanique. D'accord ? D'accord. Et après, on peut improviser dessus. Super.